I tried everything. I went to some bombers. I went to everything. No one. There was no solution. J'ai tout essayé. Je suis même allé chez les féticheurs, mais il n'y avait pas de solution. Then I decided that for maybe let's try this church thing. Maybe it'll work. Et alors je me suis dit, laissez-moi essayer dans cette église. Peut-être que ça va aller. Okay. Then I looked at the sign up there. It says Living God Temple, and I liked it. Et j'ai lu au-dessus, c'était écrit. Jesus, thank you. Merci Jésus. I'll declare now. Je déclare maintenant. The Spirit of God. L'Esprit de Dieu. The Spirit of Living God. L'Esprit du Dieu vivant. The Spirit who resuscitated Jesus in the tomb. L'Esprit qui a ressuscité Jésus dans la tombe. Eraba seka mabo. Chera karia mabo. Riba mabo seka. Santi. Santi. Your time is now. Ton temps c'est maintenant. Time is now. Ton temps c'est maintenant. God is good all the time. God is good. Can you hold your Bible? Let's open the book of Genesis. On ouvre les livres de Genèse. Genesis chapter 37. Genèse le chapitre 37. Attention. Be careful. Be careful. Attention. Ça va commencer maintenant. Ça sera fort. Aïe, Dieu commence dans tes pieds. Et ça monte maintenant. Oh, c'est fort, c'est fort. Ça commence dans tes pieds, attention. La gloire. The glory. You're gonna receive it today. Tu vas le recevoir aujourd'hui. After this prayer. Après cette prière. Receive your deliverance. Sois ta délivrance. Jesus Christ. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole, je suis. Seigneur, Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole, yes, yeah. Ok, 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 ok. Naina kende ko wabiye, unana se amai, yesu yo zayo, koleka wabata, mona mona yo yo, mona yo na mochi. Naina kende ko wabiye, naina kende ko wabiye, unana se amai, yesu yo zayo. Koleka ma pasa, mololo mololo, digi digi, ada ada ada, se.
Hey, yeah, 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 ye
Soko, la kisara ne va pas sur la rado. Pasola lole. Pasola lole. Can you put your hand together for our Lord? Hallelujah. Amen. So if you are not having the arms, you are supposed to know the value, how to applaud for God. Can you put your hand together for the glory of the Lord? Hallelujah. Amen. I'm going to call on the stage our sister Zinengi for the announcement. Can we put our hands together for the glory of the Lord? Hallelujah. Praise God. Morning, church. Bonjour, l'église. Ça va, man of God, our prophet. J'aimerais commencer par saluer l'homme de Dieu, le prophète Joël. The overseer of the church. Et le signe pasteur de cette église. The navigator of the church. C'est lui qui est le commandant de cette église. I call him navigator because he's a prophet. He can navigate all the problems in your life. Et amen. Parce qu'il est le prophète, il peut commander le bateau dans tous les domaines de votre vie. Amen. Amen. So we'll start with the program of the church. Je vais commencer par vous donner le programme de l'église. Our weekly program. Et le programme de la semaine. On Sunday from 9 o'clock to 12:15 p.m. we have a worship and prayer service. Et chaque dimanche à partir de 9h jusqu'à 12h30, nous avons notre culte de dimanche. And then on Mondays from 12 to 1 o'clock, we have 1 hour with Jesus. Et chaque lundi, nous avons une heure avec Jésus à partir de 12h jusqu'à 13h. And then from 1 o'clock to 4:30 on Mondays, we have a prophetical consultation. Le même lundi, à partir de 13h jusqu'à 16h, notre papa, le prophète Joël, reçoit dans son office tout le monde. And church, this is very important because the prophet said, if you want to see him, you need to register today. L'église de Dieu, retenez ceci, c'est vraiment capital. Si vous voulez voir l'homme de Dieu, vous devez vous enregistrer d'abord. So consultation is not today because some people take too much time and sometimes there's a long queue for people to see him. So if you want consultation, it's not today, but tomorrow. Et si vous voulez, vous voulez être reçu le lundi par le prophète, la procédure est celle-ci. Vous devez vous enregistrer et cela ne se passe pas juste après le service. Venez demain avant l'heure, comme ça on va vous enregistrer. And then on Tuesday from 10:30 a.m. to 12 p.m. we have intensive prayer, fire to fire prayer. Et chaque jeudi à partir de 10h30 jusqu'à 12h30, nous avons la prière, le feu par le feu. On Thursday from 5 p.m. to 7:30, we have push prayer and deliverance service. Et chaque jeudi, à partir de 17h30 jusqu'à l'aube, 19h30, nous avons la prière de combat. And then this is a lovely announcement because the church is turning 2 years old this year. Nous avons un autre communiqué qui est très, très, très important. L'église est en train de totaliser 2 ans d'anniversaire. So on the 28th of February, it will be our 2 year anniversary. Le 28 février, nous aurons l'anniversaire de notre église. So everyone, every department, every community, youth, mamas, pastoral, choir,
prophet is requesting that you prepare and you plan how to celebrate this day. Et il est convié à tous les départements, à chaque niveau, de se préparer au sujet de cet événement qui aura lieu le 28. Okay. In March, we are going to have a 3-day seminar. Au mois de mars, nous aurons 3 jours de séminaire. Please note these dates. It's the 2nd, the 3rd, and the 4th of March. Et notre séminaire commencera le 2 mars, le 3 mars, et ça prendra fin le 4 mars. And then on that Sunday, on the 6th, there's going to be a dinner here in church from 4 o'clock. Et le dimanche, après notre séminaire, nous aurons une dîner juste après le service ici dans l'enceinte de l'église. And it will start from 4 o'clock for those who receive an invitation. Et la dîner commencera à partir de 16h p.m. pour ceux-là qui auront l'invitation. All right. And then this is also a reminder for those who took envelopes for rent partnership. Et nous voulons aussi rappeler à tous ceux-là qui ont pris les enveloppes pour soutenir le paiement du loyer de l'église. And not only those who took envelopes, but those who are also touched to give to the church. Et c'est pas seulement ceux qui ont pris les enveloppes, mais c'est là dont le Seigneur a touché leur cœur pour contribuer dans l'œuvre du Seigneur. And this is a motivation for someone who says, I don't have anything to give. Et ça, c'est une motivation pour ceux-là qui peuvent dire que je n'ai rien à contribuer. The Bible says it's impossible to please God without faith. So you need to apply your faith. Say, God, if I don't have this money, supply all my needs. I know someone will come and provide me with a provision to give to church. Et je sais que c'est impossible de plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Il y a des gens qui ont ce souci de contribuer, mais ils sont butés à des problèmes. Voilà, nous allons demander au Seigneur que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions contribuer dans cette œuvre. Amen. Amen. And this is one of the most important announcements by the prophet. Il y a encore un autre communiqué très important venant de notre papa. There's going to be some changes here in church, especially if you want to see the prophet. Et il y aura certains changements ici dans l'église, notamment pour voir l'homme de Dieu. If anyone has got problems and prophet is busy, he will refer you to another pastor who's anointed to give you counseling. So we need to respect the anointing which is on the men of God. It's not only prophet, but the other anointed men of God. Il peut s'avérer que vous voulez voir l'homme de Dieu, le prophète Joël, et peut-être il n'est pas disponible. Il peut vous référer chez un autre serviteur de l'église. Il est aussi loin. Il a la même vision de cette église, que cela ne puisse pas vous choquer. And for prophet, sometimes he is tired after church, so he can see some people. Sometimes it can be very brief, not very long, because he needs to rest and go home as well. Et nous devons comprendre, après le service, notre papa, le prophète Joël, il est aussi fatigué. Après avoir fait le service, il a besoin de rentrer chez lui pour avoir un peu de repos. And this is to the evangelist team. Et ce communiqué s'adresse à l'équipe d'évangélisation. The task of the evangelist team is to preach the gospel, to bring the people to Christ, and to change lives by going out there and ministering about Jesus Christ. Le rôle d'un évangéliste, c'est d'aller propager la bonne nouvelle, parler-le à concernant Jésus-Christ et répandre la parole de Dieu, amener les gens dans l'église. So prophet is requesting that evangelist team needs a kick. You need to go out there and evangelize, because the Bible says there's little time. We need to do much with the little time that we've been given. Et notre père papa, le prophète Joël, nous recommande, nous qui faisons partie du département de l'évangélisation,
d'aller propager la bonne nouvelle et amener les gens dans la présence de Dieu. Okay, and the last announcement is next week Wednesday on the 15th, we're starting a 12-day prayer and fasting session. Can you come again? Next week Wednesday on the 15th. La semaine prochaine, le mercredi, à partir du 15. We're starting our fasting, a 12-day prayer and fasting. Et nous allons débuter notre jeûne et prière. Okay. There will be a day session starting from 8 a.m. to 12. Et il y aura des sessions ici dans l'église tout au long de ces jours de jeûne et prière à partir de 12 heures, à partir de 8 heures, de 8 heures à 12 heures. And then the evening session, and it's for all members of the church, is starting from 6 p.m. to 12 p.m. You need to come to the church from the 15th next week. Et à partir du 15, la semaine prochaine, nous aurons deux services au sujet de ces jeûnes et prières. Le matin de 8h à 12h et le soir de 18h à 20h, de 18h à minuit. God has spoken to prophets about this prayer and fasting. And if you can remember in the Bible, there was a time the disciples could not cast out demons and they came to Jesus and they asked him, why couldn't we do it? And Jesus said, this is only done by prayer and fasting. So there are other problems that you need to conquer by fasting. Sometimes you can pray and pray and pray, but this problem, so you have this kind of problem that you can identify that needs serious fasting, just come and tap into the anointing of the man of God. Le Seigneur Jésus Christ nous recommande, nous voyons même dans la Bible, il a recommandé aux disciples de faire la jeûne et de prière, parce qu'il y a certains démons, certains esprits qui ne peuvent jamais résister dans la jeûne et prière. Voilà pourquoi l'église nous sommes recommandés pendant ces jours, à partir du 15, d'être à l'état de jeûne et prière. So it's from 6 to 6. So 6 in the evening, we break with tea and bread. Et de 6h jusqu'à 18h, nous allons demeurer sans pour autant manger. Et à 18h, nous allons prendre le pain et du thé. Amen. Praise God. Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui, je te salue au nom de Jésus-Christ. Greet five people and tell them, I bless you in the name of Jesus. Salut cinq personnes. Move where you are. Try personne. To move where you are. Greet five people. Greet five people. Say, I bless you. Tell somebody, I love you in the name of Jesus. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je t'aime au nom de Jésus-Christ? Et pose la question à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Ask him, are you ready? Est-ce que tu es prêt? Are you ready to dis-lui bon appétit. Can you say it louder? Enjoy. Est-ce que tu peux dire ça en haute voix? So I'll try right now to run with time. Je vais essayer d'aller plus vite avec le temps. 55. Parce qu'on m'a donné le micro à 11h55. We need to get out here 12:15. On est obligé de quitter ici à 12h15. So I would like you guys to do things right, very right. J'aimerais c'est que vous puissiez faire des choses bien. Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Can you hold your Bible? Let's open the book of Genesis. On ouvre les livres de Genèse. Genesis chapter 37. Genèse le chapitre 37. Please stand up where you are. Stand up. Debout là où tu es. You need to testify. Tu dois témoigner. Come, come. Viens. Can we clap for the Lord Jesus? Who knows our brother? Qui connaît notre frère? Okay, I'll give you just 1 minute. Can you give a nice testimony? Je te donne juste une seule minute. Yes, by the end of last week Thursday. À la fin de la semaine passée.
There was a University of Free State. I tried applying there. I applied actually in June last year. Un bureau de l'université où j'ai donné mes demandes. And I was waiting for the reply. Et j'attendais le. And they were supposed to give me the reply at 25 of August. Et ils devaient me donner la réponse le 25 août. 25 of August came, they did not reply. Mais le 25 août était passé, ils ne m'ont pas répondu. Then I phoned there, they said no, they still looking at my stuff. Et the reply on October. Je les ai appelés, ils ont dit qu'ils cherchaient encore, ils vont me répondre au mois d'octobre. October came, nothing. Le mois d'octobre, how? Rien. December, nothing. C'était aussi rien. How? Okay, I say, I tried everything. I went to Sangomas, I went to everything. No one, there was no solution. J'ai tout essayé. Je suis même allé chez les féticheurs, mais il n'y avait pas de solution. Then I decided that for maybe, let's try this church thing. Maybe it'll work. Et alors, je me suis dit, laissez-moi essayer dans cette église. Peut-être que ça va aller. Okay, then I looked at the sign up there. It says Living God Temple, and I liked it. Et j'ai lu au-dessus, c'était écrit Living God Temple. J'avais aimé. And then I remember it was a Wednesday evening. I decided to pass by here. Je me rappelle, c'était un mercredi. J'avais décidé de passer par ici. And then I went in. I found a man standing there by the door, and he said to me, "What do you want?" I said, "No, I want prayer." J'ai rencontré un homme à la porte. Il m'a demandé, "Qu'est-ce que tu veux?" J'ai dit, "Je veux la prière." Okay. Then he referred me to sit down here. He said, "Come to me." Et elle m'a dit de s'asseoir et qu'elle allait revenir à moi. Then he sent Mam Fundis to come. Et on a envoyé Maman Pasteur. Yeah. And then when she came, we spoke. She said, "Fine, come on Thursday." I came on Thursday. The moment I sat down, the prophet prophesied that no God will fight your battle. On a parlé avec elle. Elle m'a dit de venir jeudi. Et lorsque je suis venu, le prophète a prophétisé sur moi pour dire Dieu allait combattre. And I said to myself, perhaps maybe he will. So let's just see. Let's just stay. Je me suis dit peut-être qu'il le fera. Alors on attend. And then came another time. It was intercession. Then the prophet went deep into my matter and prophesied. Et c'était un autre temps de prophétie quand le prophète l'a fait encore une fois de plus. Late January, I received an email from the University of Free State. Et c'est au mois de janvier que j'ai reçu le message. Tell me, no, we accepted you. We accepted you a long time ago. En disant qu'on t'avait accepté depuis longtemps. So now I'm just waiting for funding. Maintenant, and once funding comes, I start studying. So I thank God for what he's done for me. He is the only God, no one else but him. Amen. Le seul Dieu. Come, let me pray for you. Lift that your hand. Please be in his back. Stand there. Sois derrière lui. Let the power of God, que la puissance de Dieu, move with you, marche avec toi. From 2017, de 2017, all the doors be open, que toutes les portes soient ouvertes. All the doors be open, que toutes les portes soient ouvertes. All the doors be open, que toutes les portes soient ouvertes. Receive your deliverance, sois ta délivrance. What your father never make happen in this earth, ce que ton père n'a jamais fait sur cette terre, let it beginning with you, que cela commence avec toi. When we gonna talk about youth that they make things happen in this country, let your name be inside. Quand on va parler de jeunes qui font les choses dans ce pays, qu'on parle de ton nom. I pray for you like a father, je prie pour toi comme un père. Let everything you shall do, que tout ce que tu vas faire, go forward, aille de l'avant, prospère, I'll declare, je déclare, in Jesus name, au nom puissant de Jésus, amen, amen. God is good all the time. So my interpreter, you need to give a right message. Mon interprète, tu because dois donner le we bon are not message. Only preaching in the church, we preaching all over the world because our service, people, they can watch it through the internet. Amen. So do your effort to give us a nice interpretation. Amen? Amen. God is good all the time. Let's read the Bible. Genesis chapter 7 and 37. Genèse chapitre 37. If you still sitting down, stand up. Si tu es encore assis, tiens-toi debout. Stand up where you are. Tiens-toi debout là où tu es. Genèse chapitre 37. We're gonna start
by reading verse 5 until 8. On va commencer à partir du verset. At the same time, you can read your Bible as well. Au même moment, on peut lire aussi nos Bibles. It's for you to understand that the message that God is giving us today. C'est pour que tu comprennes le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Come on. Genesis 37 from verse 5. One night Joseph had a dream and promptly reported the details of to his brothers, okay, causing them to hate him even more. Mm. Listen to this dream, he announced. We were out in the field drying up bundles of grain. Okay. My bundle stood up, and then your bundles all gathered around and bowed low before it. Mm. So you are going to be our king, are okay. you? Mm-hmm. The brothers taunted, and they hated him all the more for his dream and what he had said. Okay. Hallelujah. Can we read again the next verse that is in the same chapter 37, but you can start by 26 to 30. Read your Bible, 26. Open your Bible. Ouvre ta Bible. So we're starting to read by verse 26. À partir du verset 26, on lit. Until 36. It's a long reading, but I would like you to read and to understand what the Lord wants to bless us this morning. Jusque 36. C'est une longue lecture, mais je veux que tu comprennes. Let's go. Judah said to the others, okay, what can we gain by killing our brother? What we gonna gain to kill our brother? That will just give us guilty conscience. Mm. Let's sell Joseph to those Ishmaelite traders. Okay. Let's not be responsible for his death. After all, he's our brother. Okay. And his brothers agreed. Mm. So when the traders came by, the brothers pulled Joseph out of the pit and sold him for 20 pieces of silver. And the Ishmaelite traders took him along to Egypt. Sometime later, Reuben returned to get Joseph out of the pit. Okay. When he discovered that Joseph was missing, he tore his clothes in anguish and frustration. Mm. Then he went back to the brothers and lamented, mm-hmm. The boy is gone. What can I do now? Mm. Then Joseph's brothers killed a goat and dipped the robe in its blood. Okay. They took the beautiful robe to their father and asked him to identify it. Mm. We found this in the field, they told him. Okay. It's Joseph's robe, isn't it? Their father recognized it at once. Yes, he said, it is my son's robe. Mm. A wild animal has attacked and eaten him. Surely Joseph has been torn in pieces. Mm. Then Jacob tore his clothes and put on sackcloth. He mourned deeply for his son for many days. Mm-hmm. His family all tried to comfort him, but it was no use. I will die in mourning for my son. Okay. He would say, and then begin to weep. Mm. Meanwhile, in Egypt, the traders sold Joseph to Potiphar, okay, an officer of Pharaoh, the king of Egypt. Oh. Potiphar was captain of the palace guard. Okay. Amen. 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 Can we acclaim for the word of God? Pour la parole. Thank you. You can take your seat. Merci, tu peux t'asseoir. God bless you. Que Dieu te bénisse. Okay, before beginning my message, avant que je ne commence mon message, I want to do two things. J'aimerais faire deux choses. Mama Laure, stand up. Mama Laure, est-ce que tu peux te tenir debout? And Mama Evangel, stand up. Mama Evangel aussi. Interpret well. Interpret. Can you come here in the further? Est-ce que vous pouvez venir ici? Come on quickly. Un peu rapidement. There is a couple here in this church. S'il y a un couple ici dans cette église. We are here to put people together. Nous sommes ici pour rassembler les gens. Alléluia. Amen. So, when you see a couple coming to the church like my son and his wives. Alors lorsque tu vois un couple venir à l'église comme mon fils et sa femme. We need always to put them together. Nous devons les mettre ensemble. Alléluia. Amen. Okay, Mama Laure, take your Bible, come sit close to your husband. Mama Laure, prends ta Bible, viens t'asseoir à côté de ton mari. And Mama also, go take your Bible, come sit close to your husband. Mama évangéliste aussi, prends ta Bible, viens t'asseoir à côté de ton mari. Thank you so much. Merci beaucoup. So, we are here to love, and when you love, you can't hide, you show it.
Alors, nous sommes là pour aimer. Lorsqu'on aime, on ne peut pas le cacher. So the second thing that I'll do. La deuxième chose que je veux faire. Because I'm feeling in my spirit, there's people living together, but the love passed away a long time ago. Parce que je sens dans mon esprit, il y a les gens qui vivent ensemble, mais l'amour est déjà passé il y a longtemps. They are just living for living. Ils ne vivent que pour vivre. So like a man of God and a prophet. Alors comme un homme de Dieu et un prophète. I need to stand and to fix where things doesn't go well. Je dois me tenir debout et me fixer là où il y a des choses qui ne vont pas. God is good all the time. All the time. God is good. And you need to know also when a prophet talking, it's general. Nous devons savoir aussi lorsqu'un prophète parle, c'est général. It's not specific to only one person. Ce n'est pas spécifié sur une seule personne. I can come to you talking to you, but the message is for your next your neighbor. Je peux venir chez toi et te parler à toi, mais le message n'est pas pour toi, mais pour ton voisin. God is good. I'm all the time. Evangel, can you come here, Fred? Evangel, est-ce que tu peux venir? Mama, come also. Maman, tu peux venir aussi. I'll do a prophetical sign. Je veux faire un prophétique signe. Can you watch that side? Est-ce que vous pouvez regarder de l'autre côté? So I want you to repeat after me. J'aimerais que vous puissiez répéter après moi. Okay, Asha, can you help mama here, please? Protocole, est-ce que vous pouvez aider maman ici? Thank you so much, Papa. Merci Moïse. Beaucoup. Please sit with your wife. Papa Moïse, assieds-toi avec ta femme. Thank you so much. Merci. God bless you. Alléluia. Amen. This man is a man that I trust. Cet homme, c'est un homme que je fais confiance. And I know that God will do more in his life. Et je sais que Dieu va faire plus dans sa vie. But to get there, a person needs to be prepared. Mais pour qu'il arrive là-bas, la personne doit être préparée. God is good. All the time. All the time. God is good. And he got a beautiful wife. Et il a une très jolie femme. You know what surprised me when I get to Rosenthalville? Everyone knows about this woman. Mais ce qui m'a surpris quand je suis arrivé à Rosenthalville, tout le monde connaît cette maman. And after the Lord spoke to me, it's a prophetical sign. Et Dieu m'a parlé, c'était un prophétique signe. And I hear people calling him Mikiliste, so I didn't understand Mikiliste. Et j'ai entendu les gens appeler Mikiliste. God is good. All the time. All the time. God is good. My English is well. It's helping. Okay, thank you. So can you all descend? Est-ce que tu peux tenir sa main? And if you are a couple here, stand up where you are. Si tu es aussi en couple ici, tiens-toi debout là où tu es. Stand up. Tiens-toi debout. Thank you. God is good. All the time. To be ready. God is good. Vous qui n'êtes pas prêt. I say hold your hands. Je dis thank you so much. So listen to me. Son, that sign that God. C'est un signe prophétique que Dieu va utiliser pour. After this confession. Après cette confession. You feel the love that you never feel in your life. Tu vas sentir un amour que tu n'as jamais senti dans ta vie. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Who's ready to love his wife and his husband? Qui est prêt d'aimer sa femme ou son mari? So I would like you to repeat after me. Je veux que tu répètes après moi. We're gonna start with mama. Nous allons commencer avec maman. Repeat after me. Répète après moi. Can you give me a mic? Repeat after me. Répète après moi. My husband. Mon mari. My husband. I'm in you. I'm je suis in en you. Toi. And you are in me. And tu es en moi. Me. Can you repeat it three times? My husband. Mm-hmm. You are in me. And you are and you are in me. I'm in you. I'm in you. And you are in me. And you are in me. Okay, repeat it three times. My husband. Yes. I'm in you. And you are in me. Evangel, can you repeat also? Est-ce que tu peux répéter aussi? My lovely wife. I'm in you. And you are in me. Three times. My lovely wife. I'm in you and you are in me. My lovely wife, I'm in you and you are in me. My lovely wife, I'm in you and you are in me. Can we clap for the Lord Jesus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? So, look at your husband. Alors regarde ton mari. Look at your husband now. Dis-lui maintenant. Baby.
I'm in, repeat again. I'm in you. In you and you are in me. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Take yourself to feel bad. Est-ce que tu peux te rendre souffrant toi-même? Can you make yourself to be stressed? Est-ce que tu peux te faire, tu peux te stresser toi-même? So from today, alors à partir d'aujourd'hui, change your way to look at your baby. Change ta manière de voir ton mari ou ta femme. So anything that you don't want people to do to you, don't do it to him. Tout ce que tu ne veux pas que les gens ne le fassent, ne le fais pas aux autres. Okay, can you show him love now? Show him love. Est-ce que tu peux lui montrer how l'amour? How are you showing love to your love? Je ne sais pas comment tu vas montrer l'amour. Maybe we can close eyes, but I allowed you. Can you show him love? Peut-être, je ne sais pas si tu vas fermer les yeux. Ah? Thank you. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Let's show love. Montre-nous l'amour. Amen. Amen. No more shouting. Ne nous grondons pas. No more fighting. Ne nous battons plus. But let's show love. Amen. Mais montrons-nous l'amour. So let me do my introduction. Alors laissez-moi faire mon introduction. Like I said, the topic that the Lord gives to us today. Comme j'ai dit, le thème que Dieu nous a donné aujourd'hui. The blood that is in your tunic, it's not yours. Le sang qui est sur ta tunique n'est pas le tien. Okay, I can repeat. The blood that is in your clothes, it's not yours. Je peux répéter, le sang qui est sur tes habits n'est pas le tien. Can someone repeat after me that the blood that is in your clothes, it's not your blood? The blood that is in your clothes, it's not your blood. Can you repeat again? The blood that is in your clothes, it's not your blood. Can you do it well the last time? The blood that is in your clothes, it's not your blood. Ne sois pas le sorcier de ta propre vie. So I'm starting today, like from today until Jesus will come, let me perform my message in English. Alors je commence aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Christ reviendra, je commencerai à prêcher en anglais. Because we want to make the church to be a church for all the nations. Parce que nous devons faire l'église une église de toutes les nations. I don't want that word, the church for Congolese. This is not the church for Congolese. Je ne veux pas ce mot qui dit c'est une église de Congolais. This is the church for all the nations. Ça c'est une église de toutes les nations. So if you can look around you, you can see all the flags. Si tu peux regarder tout autour de toi, tu vas voir tous les drapeaux. So it is a sign that we sing to everyone, feel, relax, you are at home. C'est un signe pour dire, nous pouvons dire à tout le monde, sans toi à la maison. God is good all the time. All the time. God is good. So the topic is the blood that is in your clothes, it's not yours. Alors le thème est le sang qui est sur tes vêtements. Quand l'esprit m'a donné ce thème, understand two things. J'ai compris deux choses. The spirit is talking about the blood. L'esprit parle du sang. And the same time, I see there's a cloth. Et au même moment, je vois il y a un vêtement. And the Lord give me this story. Et le Seigneur m'a donné cette connaissance. God is good all the time. All the time. Good. So in the verse that we read, dans les versets que nous avons lus, the Bible says, la Bible dit, there was a young man, il y avait un jeune homme, that his name was Joseph, que son nom était Joseph. Who was Joseph? Qui était Joseph? Joseph was a son of Israel. Joseph était le fils d'Israël. And when we talk about Israel, we see Jacob. Et lorsque nous parlons d'Israël, nous voyons Jacob. And the Lord promised to Jacob, he will make him a patriarch. Donc, it will make him a father for all the nations. Et Dieu a promis à Jacob qu'il allait le faire père des nations. And when you look at the Bible, et lorsque nous regardons dans la Bible, you can notice one thing. Nous allons remarquer quelque chose. Through Jacob, par Jacob, God built a 12 tribe in Israel. Dieu a construit 12 tribus en Israël. Through Jacob, par Jacob, God built all the nations that we talk about Israel. Dieu a construit toutes les nations que nous parlons par rapport à Israël. And Joseph was having brothers. Et Joseph avait des frères. So, but understand today. J'ai compris aujourd'hui. Come on, in life. Dans la vie. There's certain things that you can share with people. Il y a certaines choses qu'on peut partager avec les gens. But there's something, certain things that you can keep it for yourself. Il y a aussi certaines autres que tu dois garder pour toi-même. Because I noticed today. Parce que j'ai remarqué aujourd'hui. Joseph received a vision. Joseph a reçu une vision. But if he didn't explain that vision. Mais si il n'avait pas expliqué cette vision. Joseph will never have a problem in his life. Joseph n'allait pas avoir un problème dans sa vie. My Bible said.
La Bible dit. Joseph saw the stars. Jésus a vu des étoiles. Joseph saw the moon. Joseph a vu la lune. The moon, la lune. Yeah. God is good. All the time. All the time. God is good. So he saw things. S'agenouiller, c'est quoi? Bow down. Bowing down front of him. Et il a vu ces choses s'agenouiller devant lui. But it was good to see in the vision. C'était bien de les voir dans la vision. But what makes his family to be against him is when he shared a vision. Mais ce qui a fait que sa famille soit contre lui, c'est lorsqu'il a partagé sa vision. My Bible says. La Bible dit. From that day. Dès ce jour-là. All his brother. Tous ses frères. They start to play. To their young brother. Ont commencé à planifier contre son leur jeune frère. They start to talk in their hearts. Ils ont commencé à parler dans leur cœur. How come you? Comment toi? The last born. Le dernier. Of our father. De notre frère. How we can come to worship you? Comment est-ce que nous pouvons venir et t'adorer toi? We carry you when you were baby. Nous t'avons pris, tu étais encore petit. We bat you. Nous t'avons tapé. We put the powder on you. Nous avons mis la poudre sur so toi. You are telling us today, mais aujourd'hui, tu nous dis, you're gonna be our chief. Tu vas être notre chef. My Bible says, ma Bible from dit, that day, dès ce jour-là, people they start to plant belts. Les gens ont commencé à planifier en mal contre so lui. Let me advise you today. Alors laisse-moi te... Advice. Laisse-moi te conseiller aujourd'hui. Most people they make mistakes. Plusieurs personnes font des erreurs. Because he thought the person that is close to him is his best friend. Parce qu'il pense que tout celui qui est à côté de lui c'est son meilleur ami. Let me tell you, there's no best friends. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de meilleur ami. There's only best Jesus. Il n'y a qu'un meilleur Jésus. Amen. I meet a woman. J'ai rencontré une femme. That came to me, said, Papa. Qui est venue chez moi en disant, Papa. I want to get married. Je suis allé, j'aimerais me marier. But the day I spoke to my friends. Mais le jour où j'ai parlé à mon ami. After 1 week only. Après juste une semaine. The behavior of my fiancé changed. Le comportement de mon fiancé a changé. Because I told my friends. Parce que j'ai dit à mon ami. My fiancé likes people that they give him respect. Mon fiancé aime les gens qui le respectent. My fiancé likes people that they greet him. Mon fiancé aime les gens qui le saluent. So what happened? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? The friend starts to practice what the friend told him to do. L'ami a commencé à faire ce que son ami lui avait dit. Anytime can see the friend fiancé. Et l'ami a commencé à aller voir le fiancé de son ami. He came to him, he greeted him. Et en commençant à le saluer avec beaucoup de gens, so much respect. En lui donnant beaucoup de respect. So, the vision of the fiancé changed. Alors la vision du fiancé a changé. He start to be concentrated to the person who was giving him what he wants. Il avait commencé à être concentré sur la personne qui lui donnait ce qu'il voulait. So the mistake that the friend makes. Alors c'est l'horreur que l'ami a fait. Is supposed to keep the secret for him. C'est elle devait garder le secret pour elle-même. For him to practice it. Pour qu'elle puisse pratiquer cela. But from that day. Mais depuis ce jour-là. The fiancé came. Le fiancé venait. And he said to him, I changed my mind. Et il lui a dit, j'ai changé mes pensées. I like your friends. J'ai commencé à aimer ton ami. Because he got all the quality I'm looking to a woman. Parce qu'elle a toutes les qualités que je cherche d'une femme. Listen to me today. Écoute-moi aujourd'hui. There's things that you can share. Les paroles que tu as partagées. There's things that you can share. Il y a des choses que tu peux partager. And there's things that you can keep from you and God. Il y a aussi des choses que tu dois garder pour toi et Dieu. Joseph. Supposed to keep the secret. Devait garder le secret. It was a vision. C'était une vision that God was showing him. Que Dieu lui montrait. You'll be a great person. Tu devrais être. You'll be a leader. Tu deviendras un leader. You'll be a king. Tu deviendras un chef. But he took what God taught him. Mais il a pris ce que Dieu lui a dit. To show to his family. Et il a commencé à montrer à sa famille. Listen to me very well. Écoute-moi bien. It was not a bad thing to talk. Ce n'était pas une mauvaise chose de parler. But that was Joseph's future. Mais ça, c'était le futur de Joseph. You can't share your future with anyone. Tu ne peux pas partager ton futur avec tout le monde. Listen to me very well. Écoute-moi bien. A person that is sitting next to you. La personne qui est assise à côté de toi. Can be an instrument that the devil can use tomorrow. Peut être un instrument que le diable va utiliser demain. In life. Dans la vie. People they can't know all your weakness. Les gens ne peuvent pas savoir toutes tes faiblesses. Because if you're a human being. Parce que si tu es un humain. Know your weakness today. Tu connais tes faiblesses aujourd'hui. He'll use it against you tomorrow. Ils vont utiliser tes faiblesses demain pour contre My toi. My Bible says.
Ma Bible dit, they gathering together. Ils étaient ensemble. They start to talk. Ils ont commencé à parler. This small Joseph. Ce petit Joseph. We need to finish him. Nous devons le finir. Let me talk today. Laisse-moi parler aujourd'hui. And declare a prophetic word. Déclarer une prophétie. Anyone parole. That is planning bad things against your life. Tout celui qui prépare de mauvaises choses. De let the God of Israel expose him. Que le Dieu d'Israël l'expose. In Jesus' name, I pray. Au nom puissant de Jésus, je prie. They start to talk. Ils ont commencé à parler. How's my English? Comment est mon anglais? Can you motivate me? Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. We're gonna go to America soon. Amen. The Bible said. La Bible dit. They start to gathering together. Ils ont commencé à se concerter. They start to play. Ils ont commencé à planifier. Let me tell to you. Laisse-moi te dire. You can sleep. Tu peux dormir. You can wake up. Tu peux te lever. But there is a group of people. Mais il y a un groupe de gens. You never provoke them. Que tu n'as jamais provoqué. You never approach them. Tu n'as jamais approché. They want you to fail. Mais ils veulent que tu échoues. They want you to fail. Ils veulent que tu échoues. Let me declare today. Laisse-moi déclarer if aujourd'hui. You are a son, si tu es un daughter of this church, let your enemy que tes be exposed. Exposed. Au nom puissant de Jésus. Amen. The Bible say, la Bible dit. They start to plan. Ils ont commencé à planifier. Let's kill him. Tuons-le. Let's kill him. Tuons-le. Listen to me. Écoute-moi. I love God. Oh. J'aime Dieu. Oh. I love God. J'aime Dieu. Watch this. Écoute ça. For Joseph to become a governor. Pour que Joseph soit un gouverneur. God allowed his enemy. Dieu a permis à ses ennemis. To start to operate in this case. De commencer à opérer. Listen to me. Écoute-moi. You cry today. You crying today. Tu pleures aujourd'hui. Because people they don't love you. Parce que les gens ne t'aiment pas. You crying today. Tu pleures aujourd'hui. Because people they criticize you. Parce que les gens te critiquent. I'm standing here like a prophet. Je me tiens ici comme un prophète. God will use bad to make good to come into your life. Dieu va utiliser le mal pour que le bien arrive dans ta vie. If you believe it, say I believe. Si tu crois, dis je crois. Ah, if you believe, say I believe. Si tu crois, dis je crois. Joseph was a young person. Joseph était un jeune homme. How come Jacob's? Comment Jacob can send a young person? Peut envoyer un jeune homme. To go look after the old one. Aller chercher les grands frères. What Jacob say? C'est que qu'est-ce que Jacob a your dit? Your brothers. Tes frères. Since they left in the morning. Depuis qu'ils ont quitté le matin. Can you go? Est-ce que tu peux aller? And look what is happening. Et voir ce qui est en train d'arriver. Listen to me. Écoute-moi. Listen to me. Écoute-moi. God. Dieu. It's not God of 1+1 is equal à 2. Dieu n'est pas le Dieu de 1+1=2. Your miracle, ton miracle can come, peut venir even when you don't expect it. Même lorsque tu ne t'attends pas. You can say today, tu peux dire aujourd'hui, let me finish school. Laissez-moi finir les études. Let me go to university. Que j'aille à l'université. I'm not discouraging you to study. Je ne te décourage pas d'étudier. But for God to start to operate. Mais pour que Dieu opère through your life, dans ta vie. God doesn't need your help. Oh. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? God doesn't need your help. Dieu n'a pas besoin de ton you aide. Can be a security officer today. Tu peux être un agent de sécurité. Let me reveal you today. Laisse-moi te révéler aujourd'hui. You need to start. Tu dois. You need to start somewhere. Tu dois commencer par quelque part. For God to walk with you. Pour que Dieu agisse avec toi. Today, aujourd'hui, you're working somewhere. Tu travailles quelque part. You are not happy. You are not happy. Tu n'es pas heureux. About your work. À cause de ton travail. Let me reveal you. Laisse-moi te révéler. You need to begin somewhere. Tu dois commencer par quelque part. For God to take you somewhere. Pour que Dieu t'amène quelque part aussi. C'est papa preach. Dis papa prêche. The Bible say, ma Bible dit. The father said to the young man. Le père a dit au jeune homme. Go look after your brothers. Va voir tes frères. It's why I always say. C'est pourquoi j'ai toujours dit. That is me. Ça c'est moi. It's not the Bible. Ce n'est pas la Bible. When you know your enemy. Quand tu connais ton ennemi. You need to have distance. Amen. You need to have distance. Tu dois avoir la distance. If someone doesn't love you, s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, he will never love you. Il ne va jamais t'aimer. Even you give him a hurt in heaven. Même si tu lui donnais la terre et le ciel. The Bible says. La Bible dit. He went to them.
Ils étaient allés. He went to who? Il est allé chez qui? To people, those they were planning to kill him. Chez les gens qui étaient en train de planifier le tuer. So I understand one thing. Alors j'ai compris quelque chose. If Joseph, didn't approach their brothers, si Joseph n'avait pas approché all their plans, tous leurs plans, will never work. N'allaient pas marcher. They told you already. I si don't tu love veux partir, go. Pars. If you want to leave me, si tu veux me laisser, leave me. Laisse-moi. Life, la vie, carry on. Avance. When I was born with you. Est-ce que quand j'étais né avec toi? Do you come after me? Est-ce que tu étais venu après moi? God is good all the time. All the time. God is good. So the Bible says he went to their brothers. Alors la Bible dit il allait voir ses frères. When they saw him coming. Quand ils l'ont vu venir. He said, oh, ils ont dit voilà. We've been looking for this small boy. On était en train de chercher ce petit garçon. Let them finish him. Qu'on le finisse maintenant. So in your life, dans ta vie, approach a person that will make you to grow. Approche la personne qui va te faire grandir. Approach a person that will make you to learn what you don't know. Approche la personne qui va t'apprendre ce que tu ne connais you pas. You need to check your surroundings. Tu dois checker ce que who are you talking to? À qui tu parles? Who are you sharing things? À qui tu partages? Who are you saying your secrets? À qui tu dis tes secrets? Amen. God is good all the time. The small Joseph was coming. Le petit Joseph venait. And they start to say. Ils ont commencé à dire. Oh, let's kill this small boy. Qu'on tue ce petit garçon. Because the prophecy that he said. Parce que la prophétie qu'il a dit. Let me reveal you today. Laisse-moi te révéler aujourd'hui. Each person. Cette personne. Each person. Chaque personne. In this earth. Sur cette terre. Has a prophecy. A une prophétie. You are born with your prophecy. Tu es né avec ta prophétie. You grow with your prophecy. Tu vas grandir avec ta prophétie. And you shall die with your prophecy. Et tu vas mourir avec what ta prophétie. What is your prophecy? Qu'est-ce qui est ta prophétie? A prophecy. La prophétie. Is a word. C'est une parole. That the Lord. Que le Dieu. Declare. A déclaré. In your life. Sur ta vie. It shall happen. Qui va arriver? No one. God has power. Personne a le pouvoir. De changer. What God declared in your life. Ce que tu as déclaré dans ta vie. You have a prophecy. Tu as ta prophétie. The Bible says. La Bible dit. He saw something coming. Il a vu quelque chose venir. But he released it. Mais il a libéré cela. But he didn't release it to the good people. Il n'a pas libéré cela dans de bonnes mains. God is good all the time. You know, I meet a woman who came to me, Papa. Savez, I'm feeling inside me like I want to kill my husband. J'ai besoin d'une femme qui veut me dire. J'ai vu une femme qui est venue me voir en disant Papa, je sens comme si je veux tuer mon mari. I said what? J'ai dit quoi? He's making me so much angry. Il m'énerve trop. I hate this man. J'ai haï cet homme. I don't want to see him. Je ne veux pas le voir. Let me just kill him. Que je le tue seulement. Lui. It was his woman. C'était sa femme. But you. Mais toi. You don't know who is he. Tu connais pas qui il est. My English is strong for you. I repeat. Je répète. That woman. Cette femme. Say, I want to kill my husband. Disait, je veux tuer mon mari. It's making me so much angry. Parce qu'il m'énerve trop. I hate this man. Je hais cet homme. He started to insult. Elle a commencé à insulter. You know, when you don't love someone, you will see all the mistakes in his life. Vous savez, lorsque tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas voir toutes ses erreurs dans la vie. Look at his nose. Regarde-moi son nez. Look at his eyes. Regarde-moi ses yeux. Look the way he eats. Regarde comment il est. Look how he walks. Regarde comment il marche. How did I get here? Comment es-tu arrivé ici? So. Alors. I say that man he knew the woman was planning to kill him. Cet homme savait que la femme voulait le tuer. But you and me. Mais toi et moi. We don't know. Nous ne savons même pas. Who's planning to kill you tomorrow. Qui est en train de planifier pour te tuer demain. So watch what is coming from your mouth. Alors vois ce qui vient de ta bouche. Most of us we sell our blessing. La plupart de nous nous avons nos bénédictions. Before the time. Avant le temps. We sell
our blessing. Nous vendons nos bénédictions. Before the time arrives. Avant que le moment n'arrive. You know. Vous savez. I'm going to do the interview. Je suis en train d'aller faire mon interview. They're gonna pay me 200,000. On va me payer 200,000 rand. The person that you're sharing, they pay me 2,000. Celui que tu es en train de montrer qu'on va te payer 200,000. So you are informing you they're gonna pay you 200. Tu es en train de lui dire on va me payer 200,000. For him it's an insult. Pour lui c'est une insulte. Now who are you sharing your life? Il faut savoir qui avec tu partages ta vie. Who are you sharing your weakness? Avec qui tu partages tes moments de souffrance? A bad person. Une mauvaise personne will use your weakness to fight you tomorrow. Il va utiliser ta faiblesse pour te combattre demain. But a right person, mais une bonne personne will help you, va t'aider to not fail to your weakness again. De ne pas tomber dans tes erreurs encore. Listen to me. Écoute-moi. Coming to the church is good, though. Venir à l'église c'est bien. But who confirmed to you everyone coming to the church they come with good heart? Mais qui t'a confirmé que tout celui qui vient à l'église vient avec un bon cœur? There are some they are coming to check for mistakes. Il y a de ceux qui viennent pour voir tes erreurs. Why our father is working like this? Hey, pourquoi notre père marche comme ça? But that walk. Hey, mais cette démarche. It's for pagan. C'est une démarche de païen. Hey. Witchcraft. La sorcellerie. Some will come. Il y a de ceux qui viennent. Just to look how you talk. Pour juste voir comment tu parles. Are you coming for my talking? Est-ce que tu viens pour mon parler? Or are you coming for Jesus? Ou bien tu viens pour Jésus? Is it my talking that's gonna heal you? Est-ce que c'est mon parler qui va te guérir? Witch. Sorcier. God is good. All the time. All the time. God is good. He approached them. Il les a approchés. But when he arrives, mais lorsqu'il est arrivé, he just came to see the brothers. Il était juste venu pour voir ses frères. And I'm sure he brought some water. Et je suis sûr qu'il avait amené un peu d'eau. I'm sure he brought some bread. Il a aussi amené un peu de pain. Because he was loving. Parce qu'il les aimait. But those he been loving for years. Mais tous ceux qu'il aimait tous les années, they were planning to kill him. Ils étaient en train de planifier sa mort. The Bible said, la Bible dit, when they saw Joseph, quand ils ont vu Joseph, they said, let's finish him. Ils ont dit, finissons-le. But the Bible said, mais la Bible dit, one of the brother, un des frères was called Reuben, était appelé Reuben. He said, let's not kill this boy, oh. Il a dit, non, ne tuons pas ce petit. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Let me reveal you today. Laisse-moi te révéler aujourd'hui. And guess those ones, they don't love you. Même si ces gens-là ne t'aiment pas. And guess those ones they don't love you. Parmi ceux qui parmi ceux qui ne t'aiment pas. God will use. Dieu va utiliser one of them. Un parmi eux. To change their plan against you. Pour changer leur plan contre ta vie. Reuben said. Reuben a dit. Why to kill this small boy? Oh? Pourquoi tuer ce petit garçon? Let's just throw him somewhere. Non, jetons-le seulement quelque part. It's time right now. C'est le temps maintenant. Oh God, want to use your enemy. Que Dieu va utiliser tes ennemis. It's time now. C'est le temps maintenant. Oh God, want to use your enemy. Où Dieu va utiliser tes ennemis. To take the secret out. Pour ressortir le secret. They've been planning for your marriage. Ils étaient en train de planifier planning contre for ton mariage, life. Contre ta vie. God will use them. Dieu va les utiliser. God will use them. Dieu va les utiliser. To take out the secrets. Pour révéler le I secret. Declare in Jesus' je name. Déclare au nom de Jésus. You know I'll die for you. You know I'll die for you. Vous savez, je peux mourir pour toi. Witch. Sorcier. I love you. Je t'aime. I can fight for you. Je peux me battre pour toi. Who told you if you fight for me, it means you love me? Qui t'a dit que si tu te battais pour moi, ça veut dire que tu m'aimes? And the God strategy. Et la stratégie de Dieu. They have a strategy. Ils ont des stratégies. Watch this. Écoute ça. They would like to know what you do every day. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce que tu fais chaque jour. What are you planning? Qu'est-ce que tu planifies? They want to know everything about you. Ils vont tout connaître à propos de toi. Even what you don't know, them they know about you. Même ce que tu ne sais pas à propos de toi, eux ils connaissent déjà. They want to know which decision are you taking? Ils veulent savoir quelle décision tu prends. Watch this. Écoute ça.
Be careful with the person who is trop gentil avec toi. Faut faire très attention. Be careful with people who are so kind with you. It's so kind. The kindness is more than kindness. La gentillesse plus que la gentillesse même. It's a strategy to approach. C'est juste une stratégie de t'approcher. To know what you're doing. Pour savoir ce que tu fais. Witch. Sorcier. God is good all the time. All the time. God is good. So the Bible said they throw him somewhere. Alors la Bible dit ils l'ont jeté quelque part. Watch this now. Écoute ça. The Bible said. La Bible dit. When Joseph was born. Quand Joseph était né. His father gave him a cloth. Son père lui a donné un vêtement. So the cloth that he was wearing. Et son vêtement qu'il avait. Was his profile. C'était son profil. They knew Joseph. About what he was wearing. On reconnaissait Joseph par rapport à son vêtement. But the Bible said, mais la Bible dit, before they throw Joseph, avant qu'on ait jeté Joseph, they remove the clothes. On a enlevé son vêtement. Joseph was wearing two clothes. Joseph avait deux vêtements. And the cloth is called the tunic. Et ces vêtements appelés tuniques. And the two tunic that Joseph was wearing. Et ils ont pris la tunique de Joseph. One tunic was a tunic of favor. La première tunique, c'était la tunique de faveur. And the second tunic was a tunic of integrity. La deuxième tunique, c'était la tunique d'intégrité. The power of Joseph. La puissance de Joseph. It was the favor of God. C'était la faveur de And Dieu. The integrity that he was walking with. Et l'intégrité dans laquelle il marchait. Amen. The favor of God. La faveur de Dieu. Will open doors for you. Va ouvrir les portes pour toi. The favor of God. La faveur de Dieu. Make things that doesn't exist to exist. Va faire que les choses qui n'existent pas existent. And when you have integrity. Quand tu as l'intégrité. Am I saying it right? Right? Yeah. Integrity. Integrity. Huh? Like you said. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. They remove the clothes. On lui a enlevé ses vêtements. But watch this. Écoute ça. The Bible say, la Bible dit, they kill an animal. Ils ont tué un bouc. And they took a blood. Et ils ont pris son sang. And they put on top of the clothes. Et ils ont mis sur les vêtements. And they went back to the father. Et ils ont allé chez le père. They start to tell the father. Ils ont commencé à dire au père. Sorry, oh. Sorry, papa. Sometimes they say sorry to you, but they don't mean it. Parfois, on te demande des excuses, mais ça ne vient pas de leur cœur. Beyond that, sorry. Derrière, ils ont pris le vêtement. They go to the father. Ils sont allés chez le père. They say, sorry, papa. Ils ont dit, nous nous excusons, we papa. Try our best. On a essayé notre mieux. We fought. On s'est battu. But mais we didn't make it. On n'a pas pu faire ça. But we want just you to confirm. Mais on veut seulement que tu confirmes. If really this cloth, si vraiment ce vêtement it belongs to your son, appartient à ton fils. The Bible say, la Bible dit, when Jacob, lorsque Jacob took the cloth, a pris ce vêtement, he recognized, il a reconnu ce vêtement no one telling me nothing, sans que quelqu'un ne puisse lui dire quelque chose. This is a cloth of my father, ça c'est le vêtement de mon fils. Let me reveal you laisse-moi today. Te révéler ce soir. God, oh, God, Dieu, God, Dieu, the mighty God, le Dieu puissant, knows you. Il te connaît. Even before you be born, même avant que tu ne sois né. No one can tell God about you. Personne ne peut parler de toi chez Dieu. People that will call you names today. Dieu, les gens peuvent te donner le nom aujourd'hui. It's just a cloth that they put the blood of the animal. C'est juste un vêtement où on a mis du sang de l'animal. The blood on top of the clothes. Le sang sur les vêtements. It's not your blood. Ce n'est pas ton sang. It's for somebody else. C'est le sang d'une autre personne. Let me tell you today. Laisse-moi te dire aujourd'hui. God knows you. Dieu te connaît. People that can reject you. Les gens peuvent te People rejeter. Can talk bad about you. Les gens peuvent parler mal de toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. God, Dieu knows you. Il te connaît. Better. Bien. The Bible say, la Bible dit. Oh, the poor Jacob. Oh, le pauvre Jacob. Didn't have nothing to test if this blood was for his son. Il n'avait rien à tester si ce sang appartenait à son fils. Listen to this now. Écoute ça. The Bible say, la Bible dit. In blood. Dans le sang. There is life. Il y a la vie. Amen. If you have a son today, si tu as un fils aujourd'hui, for you to recognize, pour que tu puisses reconnaître, this baby, ce bébé, this baby,
ce bébé is belong to me. M'appartient. I need to see my blood on him. Oh. Je dois voir mon sang en lui. From there, de ce moment-là, I say this is belong. Je veux dire que cet enfant m'appartient. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? We catch so much women. Nous avons attrapé plusieurs femmes. Because of the blood. À cause du sang. It's yours. C'est ton bébé. It's yours. C'est ton bébé. It's for you. C'est pour toi. Ok, no problem. Ok, pas de problème. But let's go check. Mais allons seulement au checking. C'est checker, checker. Checker, checker. Ah, c'est checker, checker. Checker, checker. Ah. The blood, there's life in the blood. Dans le sang, il y a la vie. But the Bible says. Et la Bible dit. The blood that was covering the clothes. Le sang qui était sur les vêtements. It was not the blood of Joseph. C'était pas le sang de Joseph. The Bible says. La Bible dit. A human being that God creates. Un humain que Dieu a créé. Has how many parts? A combien de parties? Has how many parts? Trois parties. Three parts. The first one. Le corps, the second, l'âme, and the third, l'esprit. They forget one thing. Let me reveal you now. I'll finish. Ils ont oublié une chose. Laisse-moi te révéler ça. They attack Joseph. Ils ont attaqué Joseph. But they forget to touch his life. Mais ils ont oublié de toucher à sa vie. They just touch his extérieur. C'est quoi? The only touch is outside. Ils ont seulement touché à son extérieur. Let me tell you. Laisse-moi te dire. You make a mistake today. Tu fais une erreur aujourd'hui. Doesn't mean. Cela ne veut pas dire. You are what you make. Que tu es ce que tu as fait. You steal something today. Tu voles quelque chose aujourd'hui. Am I pushing you to go steal? Est-ce que j'étais envoyé aller voler? You are not a thief. Tu n'es pas un voleur. So they forget. Alors, ils ont oublié. They touch the outside ils of ont Joseph. Touché l'extérieur de Joseph. But the inside mais l'intérieur was intact. Était intact. They touch the outside. Ils ont touché l'extérieur. They didn't change the prophecy that God put in his life. Cela n'avait pas changé la prophétie que Dieu a mis dans sa vie. Even they threw him somewhere. Même s'il l'avait jeté quelque part. The prophecy followed him. La prophétie l'avait suivi là où on l'avait jeté. Listen to me, beloved. Écoute-moi bien aimé. Anything that God declares in your life. Tout ce que Dieu déclare dans ta vie. Witch can stand. Les sorciers peuvent se lever. Sangoma can stand. Les pétitions peuvent se lever. Marabouts can talk. Les marabouts peuvent parler. The word of God against your life. Rien ne peut changer la parole de Dieu dans ta vie. They touch the outside. Ils ont touché son extérieur. Listen to this. Écoute-moi. You can fight me today. Tu peux me combattre aujourd'hui. You're only touching the outside. Tu es seulement en train de toucher mon extérieur. They touch the clothes. Ils ont touché son vêtement. The clothes. Son vêtement was just a profile. C'était juste un profil. But the blood mais le sang was a life on him. Était la vie dans lui. The Bible said, la Bible dit even même, they remove the clothes, même s'il avait enlevé les vêtements. Oh, you are living today. Oh, tu es en train de vivre aujourd'hui. You are naked. Tu es nu. You are living today. Tu vis aujourd'hui. You don't cover yourself. Tu n'étais pas couvert. People, they're insulting you today. Les gens t'insultent aujourd'hui. They remove your clothes. Ils t'enlèvent les people, habits. They are talking bad about ils you. Sont en train de parler. They are removing your clothes. Ils tes habits. People that are limiting you. Les gens te limitent. They are removing your clothes. Tes habits. But they don't touch. Mais ils ne touchent the pas. Life in you. La vie en what toi. What is the life? C'est quoi la vie? Is what God declares. C'est ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Talk. Parle. Talk. Parle. Talk. Parle. Until you get tired. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. The Bible says. La Bible dit. I'll finish now. Je vais finir maintenant. They threw him somewhere. On l'a jeté quelque part. Watch this now. Écoute ça. The Bible says. La Bible dit. When they threw him somewhere. Lorsqu'on l'a jeté. They thought. Ils pensaient.
tell you that your thought is the right thought? Qui t'a dit que tes pensées sont des bonnes pensées? You are living with me with your thought. Tu es en train de vivre avec moi à cause de tes pensées. Who told you is the right one? Qui t'a dit que c'est les bonnes pensées? They thought. Il pensait. His life is finished. Que sa vie était finie. Oh, he's gonna get thirsty. Ah, il va finir. He's gonna not eat. Il va plus manger. After 1 week. Après une semaine. Let me reveal you today. Laisse-moi te révéler aujourd'hui. You're living your life. Tu vis ta vie. People they're giving you days. Les gens te donnent des jours. In 3 days. Dans 3 jours. You're gonna finish. Il va finir cet homme. In 1 week. Dans une semaine. You're gonna finish. Il va mourir. In 1 month. Dans un mois. You're gonna finish. Il va mourir. Let me declare today. Laisse-moi déclarer. You're gonna wait. Il va and you'll get tired. Jusqu'à ce qu'ils vont. And you'll change your mind. Ils vont changer leur pensée. And the Bible say, et la Bible dit, oh Jesus, thank you, Lord. Merci Jésus. God is wonderful. Dieu est merveilleux. God is wonderful. Dieu est merveilleux. God is wonderful. Dieu est merveilleux. You can leave me today. Tu peux me laisser aujourd'hui. But I'm checking myself. Mais je suis en train de voir. If God is in my sight. Si Dieu est en moi. You can abandon me today. Tu peux m'abandonner aujourd'hui. I'm checking my sight. Mais je suis en train de regarder. If God is with me. Si Dieu est avec moi. If God is with me. Et Dieu de I'll m'aider. Make it. Je peux le faire. The Bible says, la Bible dit, the same people, les mêmes personnes, they're planning to kill, qui est en train de planifier pour le tuer, they change their mind, ils ont changé leur pensée. Oh God, God, God is something else. Dieu est autre chose. You planning to kill me? Tu planifies de me tuer. You change your mind. Et tu changes encore tes pensées. Let not kill him. All. Et qu'on ne le tue pas. Let sell him. Qu'on le vende. Let not kill him. Qu'on ne le tue pas. But let sell him. Mais qu'on le vende. They are thinking. Ils pensent. If they sell you. S'ils te vendent. Your story is finished. Ton histoire est finie. Your life is finished. Ta vie est finie. Let me tell you today. Laisse-moi te dire aujourd'hui. When they are thinking bad about you. Lorsqu'ils pensent mal contre toi. Is when the Lord is happy to start with you. C'est lorsque Dieu se lève pour commencer avec toi. Who told you I will end up like my father? Qui t'a dit que je veux finir comme mon père? Who told you I will end up like my mother? Qui t'a dit que je veux finir comme ma mère? If they never make it, si ils ne l'ont pas pu, it's their own business. C'est leur affaire. I had my prophecy. J'ai ma prophétie. I had my own voice. J'ai mon propre. I shall see. Je veux le voir. You see my father die with diabetes. Tu es en train de voir mon père mourir avec la diabète. My mother died with cancer. Ma mère est morte avec le cancer. My uncle died with cancer. Mon oncle aussi meurt avec le cancer. Who told you if your father never make it? Qui t'a dit que si ton père n'a pas pu? You too, you'll never make it. Toi aussi, tu ne pourras pas. You have your own destiny. Tu as ta propre destinée. You have your own words. Tu as ta propre parole. Watch this, watch this. Écoute ça, écoute ça. Watch this. Écoute ça. I'll finish. Je vais finir. How's my English? Thank you so much to motivate me. The Bible says, la Bible dit, Jacob's Israel. Jacob, Israël. Was having how many kids? Il avait combien d'enfants? How many? 12. 12. But mais, the way the father was loving Joseph. Mais la manière où le père aimait Joseph was very different. C'était vraiment différent. Let me tell you. Laisse-moi te dire. Look at your neighbor. Écoute, regarde ton voisin. Tell him now. Dis-lui maintenant. The way God loves me, oh. De la manière dont Dieu m'aime. Never love you like that. Il ne va jamais t'aimer comme il m'aime moi. Each son was having only one clone. My God, Rabassa. Chacun d'enfants, il l'aimait, mais juste un seul. Each son was having only one cloth. Chacun de ses enfants avait un seul vêtement. But the Bible says, mais la Bible dit, Joseph was having two clothes. Avait deux tuniques. The love of God, l'amour de Dieu, will shall fight for you. Va se battre pour toi. The love of God, l'amour de Dieu, will open door for you. Va ouvrir des portes pour toi. The love of God, l'amour de Dieu, will make people to consider you. Va faire que les gens puissent te considérer. I don't need your love. Je n'ai pas besoin de ton amour. I need the love of God. J'ai besoin de l'amour de Dieu. Yes.
God is good all the time. Now, please, just give me 3 minutes. You start. Donne-moi juste 3 minutes. Tu vas commencer, cher. Watch this now. Écoute-moi. You know, in the couple. Vous savez, dans un couple. I want you to laugh. J'aimerais que tu puisses sourire un peu. In the couple. Dans un couple. Baby, baby. Bébé, bébé. Bébé. Baby, baby. Bébé. I love you. Je t'aime. I'll die for you. Je vais mourir pour toi. You are my everything. Tu es mon tout. You are my. Hey. You are my moon. Tu es ma lune. Viens dans ta maison. And he brought a gun. Et il amène une arme avec lui. He said. Et il dit, I'll leave you alive. Je veux te laisser en vie. If only. Si seulement. You kill one person. Tu tues une personne. There's your mother. Il y a ta mère. Who carry you for 9 months. Qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Who was going to the river to seek for water to bring to the house to give you. Et elle est allée chercher, elle allait chercher l'eau pour venir te donner. Et take a gun. Prends l'arme. Shoot one. Tue une personne. Who do you gonna kill? Qui est-ce que tu vas tuer? Don't answer me. I don't want problem. Don't answer me. Ne me réponds pas. Je ne veux pas de problème. Who do you gonna kill? Oh? Qui est-ce que tu vas tuer? The baby, baby. Ta femme, baby, baby. Who the one who carry you? Ou bien ta mère qui t'a porté pendant 9 mois. So let me reveal you today. Alors laisse-moi te révéler aujourd'hui. The love of a human being. L'amour d'un humain has a limit. A une limite. But the love of God. Mais l'amour de Dieu doesn't have a limit. N'a pas de limite. God will love you when people don't love you. Dieu va t'aimer même quand les hommes ne t'aiment pas. God will love you even when you are sinning. Dieu va t'aimer même lorsque tu es en train God de pécher. God will love you even when you don't have value. Dieu va t'aimer même lorsque tu n'as pas de valeur. People, they will criticize you today. Les gens vont te critiquer because aujourd'hui. You don't know how to talk. Peut-être parce que tu ne sais because pas parler. You don't know how to walk. Parce que tu ne sais pas marcher. God doesn't care. Dieu ne tient pas compte de ça. Oh, Jesus, thank you. La Bible dit, they changed their mind. Ils ont changé leur pensée. Thank you, Jesus. Thank merci, you. Jésus. Merci. Feeling it. Merci, Jésus. Feeling his presence. Thank you. Je sens sa présence. Merci, Jésus. They changed their mind. Ils ont changé leur pensée. Let's sell him. Vendons-le. Let me tell you today. Laisse-moi te dire aujourd'hui. All the bad plans in your life is not bad. Tous les mauvais plans dans ta vie n'est pas mauvais. There's certain bad plans. Il y a de certains mauvais plans. Who provoke God to stand up in your qui place. Qui provoque Dieu à se lever dans ta vie. They were telling you we love you. Ils vont te dire nous t'aimons. God doesn't watch. Dieu n'est même pas là. Doesn't watch. Il ne regarde même pas. He say, ah, you guys, you are fine. Il dit, hey, vous. But the day, mais le jour, they're gonna plan bad against you. Qui vont planifier en mal contre toi. God shall turn his seat. Dieu va se lever. To start to watch you differently. Pour commencer à voir autre chose. So they thought one thing, my God. Et ils ont pensé à quelque chose. Let's sell this person. Convainte cette personne. He will be out of our country. Il sera hors de notre pays. My father will never see him anymore. Mon père ne le verra plus. He will forget about him. Il va l'oublier. But they forget one thing. Mais ils ont oublié une chose. The word of God. La parole de Dieu. The word of God. La parole de Dieu. In the life of a person. Dans la vie d'une personne. Doesn't get rotten. Hey, hallelujah. Doesn't get rotten. Ne pourrit pas. Listen to me, my God. Listen to me. The Bible says, oh, Rabbi, la Bible dit, the woman, la femme, was sick, était malade, for 12 years, pour 12 ans, people they rejected him, les gens la rejetaient, people they give him names, les gens donnaient des noms. Who told you God care about your time? Qui t'a dit que Dieu est en train de voir ton God temps? Doesn't follow the timing of the human being. Dieu ne suit pas le timing des gens. For God to operate in your life. Pour que Dieu puisse agir dans ta God vie. God doesn't check the weather. Dieu ne regarde pas le climat. God doesn't check the season. Dieu ne regarde pas les saisons. But God, monsieur, work regarde. According the word that he puts against your life. Il fonctionne par rapport à la parole qu'il a mis dans ta vie.
They're taking me out of the country. Ils l'ont enlevé du pays. They thought it's finished for him. Ils pensaient que c'était fini pour lui. It's no more around. Et il n'est plus à côté de nous. No one shall see him. Personne ne va le voir. No one will talk about him. Personne ne va parler. But they forget. Mais ils ont oublié. They forget. Ils ont oublié. A human being. Un humain. Can plan. Peut planifier. But God also. Mais Dieu aussi. Has his planning. A ses propres plans. He went to Egypt. Ils sont allés en Égypte. Listen to me. Oh Jesus, thank you. He went to Egypt. Il est allé en Égypte. Egypt was not Joseph's country. L'Égypte n'était pas le pays de Joseph. In Egypt. En Égypte. Joseph didn't have cousin. Joseph n'avait pas de cousin. No brothers. Pas de frères. No niece. Pas de nièce. No aunts. Pas de tante. No way to hide. Où il n'avait même pas un lieu où se cacher. Mais il avait seulement une chose. He was only having one thing. Il avait seulement une he chose. Was only having one thing. Il avait seulement une chose. The word of God in his life. La parole de Dieu en lui. The Bible said, la Bible dit. When Pharaon, lorsque Pharaon saw Joseph, a montré Joseph. They didn't watch the clothes. Lorsqu'il a vu Joseph. They didn't look the face. Il n'avait pas vu sa face. But the word of God. Mais la parole de in Dieu. In the life of Joseph. Dans la vie de Joseph, a commencé à ouvrir I'm standing here today. Je me tiens ici aujourd'hui pour dire à quelqu'un on peut te rejeter, on peut t'abandonner aujourd'hui. The word of God, la parole de Dieu, change. Va changer everything in your life. Toutes les choses dans ta vie. In the foreign country, dans un pays étranger, no support, sans appui, no help, sans aide. When the king arrived, when the king arrived, quand le roi est arrivé, he started to look at the Joseph. Il a commencé à regarder Joseph. I'm sure that day, je suis sûr ce jour-là, Joseph was checking his clothes. Joseph était en train de regarder ses vêtements. Was checking if he's clean. Il était en train de regarder s'il était propre. But let me tell you, mais laisse-moi te dire, the favor, la faveur of God, de Dieu, can open. Ouvrir les portes. Where the door is closed, là où les portes sont fermées. The Bible says, la Bible dit. God decides, Dieu a décidé. To kill the herbs, de tuer la terre. But it's the favor, mais la faveur. Will change the decision a, that God took a, against the way. A changé la décision que Dieu avait pris. The Bible says, la Bible dit. He said you. Il dit toi. You are not belong here. Toi, tu n'appartiens pas à être oh, ici. Let me talk to you today. Laisse-moi te dire aujourd'hui. You are not belong to crying. Toi, tu n'appartiens pas aux pleurs. You are not belong to suffer. Non, toi, tu ne dois pas souffrir. Suffering is not your portion. La souffrance n'est pas ta portion. Crying is not your portion. La souffrance n'est the pas ta portion. The king said to Joseph. Le roi a dit à Joseph. You are not belong to here. Toi, tu n'étais pas ici. Come in the palace. Viens dans le palais. Come sit with me. Viens habiter come avec moi. Eat with me. Viens manger let avec moi. Let me declare today. Laisse-moi déclarer. You shall enter. You shall enter. Tu vas entrer. The king's palace. Dans le roi, dans le palais royal. Let me know. You shall enter. Tu vas entrer. God is good. All the time. The blood. Le sang in your clothes, sur ton vêtement, it's not belong to you, n'est pas le tien. They thought they finished the poor Joseph. Ils pensaient qu'ils avaient fini avec le pauvre Joseph. But they provoke God. Mais ils ont provoqué Dieu. Let me tell you, laisse-moi te dire. Some people they are not aware. Il y a de certaines personnes qui sont là. They don't know when they touch you. Ils ne savent pas quand ils te touchent. They don't know when they attack you. Ils ne savent pas quand ils t'attaquent. They provoke the kingdom of God to come here in the hearts. De descendre sur terre. Listen. Écoute. Oh Jesus, thank you. Jésus, merci. A king start to declare. Le roi a commencé à déclarer. From today. Dès aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. From today. Dès maintenant. You Joseph. Toi Joseph. You shall live in my house. Tu vas vivre dans ma maison. Listen to this. Écoute ça. The Bible says. La Bible dit. He took his ring. Il prit sa couronne, sa bague. He took his ring. Il prit sa bague. What was a ring? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la bague? It's the power. C'est le pouvoir. It's
authority. C'est l'autorité. He gave to Joseph. Il prit ça et il donne ça à Joseph. Joseph was not from Egypt. Joseph n'était pas un Égyptien. But the favor of God. Mais la faveur de Dieu dans sa vie. Push a king. A poussé un roi. I said that day he make a mistake. Oh. Je dis ce jour-là, il a fait une erreur. In the law. Dans la loi. In the royalty palace. Dans le royal palais. A king. Le roi. Is not allowed. Il n'est pas. Hein? Royalty ring. Il n'est pas permis d'enlever la bague royale. To give it to anyone. Et donner ça à n'importe qui. Only his son. Seulement à son fils. Or his daughter. Ou bien à sa fille. But that day. Mais ce jour-là. Everything that was written. Tout ce qui était écrit. Was forgotten. Il avait oublié ça. He done that day a big mistake. Il a fait ce jour-là une grande erreur. God will push your enemy to do mistake. Dieu va pousser à tes ennemis à faire des erreurs. For your blessing to be accomplished. Pour que ta bénédiction s'accomplisse. He said to him, il dit, from today, dès maintenant, if me, si moi, I'm not around, je ne suis pas là, it's you. C'est toi. If I'm not around, si je ne suis pas là, it's you. C'est toi. It mean, cela veut dire Joseph, Joseph was a king in Egypt. Était un roi en Égypte. They chased him from his own land. On l'a chassé de sa propre terre. They rejected him from his own land. On l'a rejeté dans sa propre patrie. But God made him to be a great person in another land. Mais Dieu lui a fait une grande personnalité dans une autre terre. Doesn't matter a family that you're coming from. On n'a pas besoin déclaré. Everything. Tout has accomplished. Est accompli. No one shall touch your blood. Personne ne va toucher à ton sang. You are not belong to Zulu. Tu n'appartiens pas aux Zoulous. You are not belong to Kosa. Tu n'appartiens pas aux Kosa. You are not belong to Africa. Tu n'appartiens pas à l'Afrique. You are not belong to America. Tu n'appartiens pas à l'Amérique. But you are belong. Mais tu appartiens to the kingdom. Au royaume of the Almighty. Du Dieu tout-puissant. The decision of your life. La décision de ta vie. You can't plan it here in earth. Tu peux pas planifier cela ici sur terre. Who are you to plan about my life? Qui es-tu pour planifier sur ma I vie? I belong to the heaven. J'appartiens au ciel. God is good all the time. God is good all the time. No one. Personne. Can touch your blood. Ne peut toucher à ton sang. And when I talk about the blood, et quand je parle du sang, I see your life. Je vois ta vie. No one shall touch your life. Personne n'a le droit de toucher à ta vie. Touch me to provoke God. Touch me to provoke God. Touche-moi et tu vas provoquer Dieu. You want to have a problem? Tu veux avoir un problème? Come touch me. Viens me toucher. Yes. Listen to this. Écoute-moi. I'm finished here. Je finis maintenant. You can have a problem with the police. Tu peux avoir un problème avec la police. We can solve it. On peut te sauver. We can call a lawyer. On peut appeler un avocat. A lawyer can come with a book. L'avocat peut venir avec un livre. And start to say the article 1992. L'article 992 said, dit, this person, cette personne has a right. A le droit to talk. De parler. So why you? Mais toi tu es qui? Tell him to not talk. Pour que je ne puisse pas parler. You can have your problem with your father. Tu peux avoir un problème avec ton père. Your mother know the time. Ta mère connaît le temps. That you break the heart of your father. Qui va briser le cœur de ton père. You can have a problem with your brother. Tu peux avoir un problème avec ton frère. Your father shall stand. Ton frère, ton père va se lever and so the matter. Et il va épargner le danger. Let me tell you today, laisse-moi te dire, each person, toute personne that will stand qui va se lever to bring problem in your life, pour amener le problème dans ta vie, each person, toute personne that will plan qui va planifier for you to fail, pour que tu tombes, I'm here to reveal you, je suis là pour te révéler. God also, Dieu aussi shall stand, va se lever for your case, pour ton problème. Who can stand in front of God? Qui peut se lever devant Dieu? No one.
personne. The Bible say, la Bible dit. Moses said, God, I want to see you. Moïse dit, Dieu, je veux te voir. I want to see you. Je veux te voir. But my Bible say, mais ma Bible dit. He didn't see the face. Il n'avait pas vu sa face. He just saw the back. Il a vu son dos. He ran. Et il a fui. I declare today. Je déclare aujourd'hui. I don't know what you're going through. Je ne sais pas par quoi tu passes. I don't know what you're crying for. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. But let me release this weight. Mais laisse-moi libérer cette parole. Each person. Toute personne. That will fight you. Qui va te combattre. Each person. Toute personne. That will bring crying in your life. Qui va amener les pleurs dans each ta vie. Person. Toute personne. That doesn't allow your success to happen. Qui ne permet pas ton succès dans ta vie. Let bring him to the court of God. On l'amène au parquet céleste. I say to the court of God. Je dis au parquet de Dieu. I say to the court of God. Je dis au parquet de Dieu. God is my lawyer. Dieu est mon God avocat. God is my judge. Dieu est mon juge. God is my lawyer. Dieu est mon avocat. And God is my judge. Et Dieu est mon juge. You're gonna lose. Il va perdre. If you believe that. Si tu crois. Repeat 3 times. Répète 10 fois. 3 times. 3 fois. I believe. Je crois. I believe. Je crois. I believe. Je crois. My blood. Si tu ne peux pas toucher à mon sang. It means you can't touch my life. Cela veut dire que tu peux pas toucher à ma vie. It means you can't touch my marriage. Ça veut dire que tu peux pas toucher à mes affaires. It means you can't touch my kids. Tu ne peux même pas toucher à mes enfants. Appartiens. To the kingdom of God. Au royaume de Dieu. Touch me. Touche-moi. And you shall see. Et tu vas voir. God bless you. Dieu te bénisse. Can you stand up where you are? Est-ce que nous pouvons tous nous lever? Can we acclaim for the Lord of et God? Acclamons like pour I le said, they give me to start the preaching late. Comme j'ai dit, on m'a donné le moment de prédication en retard. So, I manage. Alors, j'ai managé. Amen. Amen. God is good all the time. So right now I want to declare upon somebody's life. Alors, maintenant je veux déclarer sur la vie de quelqu'un. With the authority that the Lord given to me. Par l'autorité que Dieu m'a donnée. With the office that I am now. Le bureau que je suis maintenant. The prophetical office. Dans le prophétique bureau. Listen to me. Écoute-moi. A simple word. Une simple parole. Can change your life. Peut changer ta vie. I repeat. Je répète. A simple word. Une simple parole. Can change your situation. Peut changer ta situation. If you are ready. Si tu es prêt. Lift out your hands. Lève ta main. Lift out your hand. Lift them. Lève tes mains. A simple word. Une simple parole. Today. Aujourd'hui. I want to see your life change. Je veux voir ta vie changer. Tellement les gens témoignent. Sometimes you ask question, when will be my turn? À des moments, tu te poses la question, c'est quand mon tour? I'm here to reveal you. Je suis là pour te révéler. Your time is now. Ton temps c'est maintenant. Your time is now. Ton temps c'est maintenant. Time is now. Ton temps c'est maintenant. People they need to change their way to see you. Les gens doivent changer leur manière de te voir. Lift up your hand. Lève tes mains. Can you stand up where you are? Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Prospérer, tu vas avoir. C'est aujourd'hui. We praying a living God. Nous prions un Dieu vivant. Our Jesus is not still in the cross. Notre Jésus n'est pas à la croix. He came down long time ago. Il a quitté la croix il y a longtemps. Our Jesus is not in the tomb. Notre Jésus n'est pas dans la tombe. He's already out. Il est déjà dehors. He's already out. Il est déjà dehors. I say he's already out. Je dis, il a déjà quitté la tombe. Jesus, thank you. Merci Jésus. I'll declare now. Je déclare maintenant. Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit. The Spirit of God. L'Esprit de Dieu. The Spirit of living God. L'Esprit du Dieu vivant. The Spirit who resuscitated Jesus in the tomb. L'Esprit qui a ressuscité Jésus dans la tombe. I'm inviting you right now. Je t'invite maintenant. I pray for my brother. Je prie pour mon frère. Jesus, I pray for my sister. Je prie pour ma sœur. Let the miracle. Laisse que le miracle. Begin right now. Commence maintenant. Begin right now. Que ça commence maintenant. Right now. Ça commence maintenant. Right now. Ça commence maintenant. Right now. Ça commence maintenant. Zata katriyama sekebeko.
them. Je dis I say fire. Le feu destroy them. Le feu I say fire. Je dis feu. Jesus mighty name. Au nom puissant de Jésus. Each one. Tout celui. Gonna plan you to cry every day. Qui va planifier que tu pleures chaque jour. I declare in Jesus. Je déclare au nom de Jésus. He must never rest in peace. Qu'il ne se repose pas en paix. Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Start to visit your people. Commence à visiter ton peuple. I'm feeling how the Holy Spirit gonna come upon a woman now. Je suis en train de sentir comment le Saint-Esprit va venir sur une femme maintenant. Oh Jesus, it will come like strange. Oh Jésus, ça sera vraiment étrange. Je dis c'est ton temps. Any prophecy. Toutes prophéties. They declare upon your life. Qui sont déclarées sur ta vie. Let the Almighty God. C'est le Dieu tout puissant. Make it to begin now. Qu'il puisse faire que ça commence maintenant. They reject you in the marriage. On t'a rejeté dans le mariage. Za 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 koko shoko. Risakate rebeko. Heraba seka mabu. Chera karia babos. Riba babos seka. Thank you, Jesus. Merci, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Aïe, 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 aïe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's your day today. C'est ton jour aujourd'hui. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Receive now. All the word reçois that the Lord put in your life. Receive it. Reçois cela. Oh, Rabasaka, Bakatiria Vase, Riba Baba. Ay 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 attention. Be careful, be careful. Attention. Ça va commencer maintenant, ça sera fort. Ça sera comme un troubillon. Attention, ça commence. Attention, ça commence. Attention, ça commence. Jésus, merci. Laisse que le ciel s'ouvre maintenant. Let the heaven be open right now. Que le ciel s'ouvre maintenant. In Jesus. Za, za, za. Quiet. Lift out your hand. Lift out your hand. Left your hand. Left your hand. Lift out your hand. Left your hand. You're gonna receive now. I hear your name. J'ai écouté ton nom. I hear the angel. Ah! Hey! Yahweh. Mets-le pas. J'active maintenant. La gloire de Dieu commence dans tes pieds. Glory of God passing by your legs. La gloire de Dieu commence dans tes pieds. Glory of God passing by your legs. Et ça monte maintenant. Thank you, Jesus. Mets-lui à part. Mets-lui à part. Put him in part. Mets-lui écoute sur mon oreille. Don't you by your name. Reçois la gloire de Dieu. Receive the glory of God. Voilà la puissance de Dieu.
Take the power of God. Voilà la puissance de Dieu. Take the power. Commence à opérer dans ton corps. Oh, c'est fort, ça commence dans tes pieds, attention, ça va commencer à monter, attention, la gloire, 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 amène-moi, amène-moi, c'est bon. Amen lui, amen lui. Come with that sister. Hey, 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 commence maintenant. Reçois l'onction de Dieu. Ça commence dans ta vie. Qu'aujourd'hui soit un jour que tu ne vas pas oublier. Reçois la gloire. Je te connecte. L'onction de Dieu. Maintenant. Ça commence dans tes pieds. Ça va commencer à monter. Tout ton corps. Tu sentiras sa présence. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà l'ange de tous. Je dis l'ange de tous. L'ange de tous. Mighty name of Jesus. Receive your deliverance. Avant la fin de 2017, we're gonna talk about something that the Lord wants to do for you today. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire pour toi aujourd'hui. Don't be distracted. There's an angel of God here. Ne sois pas distrait. Il y a l'ange de Dieu ici. De ta propre vie. About what you're going through. À propos de ce que tu dépasses. About what you see. À ce que tu vois. Your heart. Ton cœur. Asking so much questions. Se pose beaucoup de questions. But he said to me today, mais il dit aujourd'hui, you're gonna receive your key. Tu vas recevoir ta clé. Watch me. Ce qui veut dire, watch me now. Regarde-moi maintenant. Look at my eyes. Regarde mes yeux. Des millions de gens parlant de la parole de Dieu. Even when I'm talking to you now, même lorsque je te parle, you asking questions. Tu es en train de te poser des questions. Me, moi, preaching. Prêchant. I don't see myself. Je ne vois pas, je ne me vois pas. Listen to me very well. Écoute-moi bien. God, Dieu, want to set people free. Il veut libérer les gens. But I'm seeing you like an instrument that he wants to use. Mais je suis en train de te voir comme un instrument qu'il veut utiliser. And I'm listening to my right hand. Et j'écoute à ma droite ici. He said to me, il est en train de me dire, give him. Donne-lui. Give him. Donne-lui. Give him. Donne-lui. Give him. Donne-lui. Are you ready? Est-ce que tu es prêt to receive de recevoir the power, la puissance of God, de Dieu, that can change your life, qui peut changer ta vie, that people they can envy you, les gens puissent t'envier, the way I'm talking now, la manière dont je parle, I see the end of the angel, je suis en train de voir la main d'un ange who touch your head, qui touche ta tête, you feel in your heart, tu vas le sentir dans ta like tête, you want to cry, comme si tu veux pleurer, like you are happy, comme si tu es you vraiment feel heureux. Something. Tu vas sentir quelque he chose. Said to me, il est en train de me dire, I'm here. Je suis là. I'm here. Je suis là. I'm here. Je suis là. You're gonna receive it today. Tu vas le recevoir aujourd'hui. After this prayer, après cette prière, people they will envy your life. Les gens vont envier ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Power. Puissance. Holy Ghost. That's.
peur de tes erreurs. Don't scare about the mistake you make. N'aie pas peur des erreurs que tu as fait. He loves you. Il t'aime. He loves you. Okay. He wants to use you. Le fait que tu l'utilises. What I have, the Bible says, I don't have money. Je n'ai ni or, I don't have or, ni argent. But what I have, c'est que j'ai. I'll give you. Je te le donne. Sois prêt. Connect you. Connecte-toi. Your progress. Let your breakthrough begin now. Your breakthrough beginning now. I take you out. Everywhere they put you. Partout on t'a mis. Be free right now. Sois libre. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Receive the power. Reçois la puissance. Receive the power. Reçois la puissance. All over your body. Partout dans ton corps. From your leg. De tes pieds. Ça commence par tes pieds. I connect the power. Je connecte. I connect the power. I connect the power. Je connecte. Everywhere. Partout. Everywhere. Partout. Everywhere. Partout. Receive it. Reçois. Yes, thank you, Jesus. Yes, thank you. Merci. Oh, thank you. Merci. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Thank you for your favor. Merci pour ta faveur. Oh, thank you, Jesus. Jesus. You change his status. You change his profile. Merci de changer son style. You will never cry anymore. Tu ne vas plus pleurer. You will never cry anymore. Tu ne vas plus pleurer. Jesus, mon puissant. Can you hold me? Est-ce que tu peux me toucher? Tiens-moi, tiens-moi, tiens-moi. Dès aujourd'hui, your life, ta vie, change position, change de position. Any plan they put in question, tout plan qu'on a mis contre toi. Watch me. Regarde-moi. Assois. Now, maintenant, the power, puissance, Holy Ghost, touche your body, ton corps, your mind. Pensez. Everything be changed. Tout change. Everywhere they're trying to put you. Partout où on a essayé de te mettre. Come out. Sors. Come out. Sors. Come out. Sors. Jesus, mighty name. Au nom puissant de Jésus. You bring happiness in your family. Tu vas amener la joie dans ta famille. You bring happiness in your family. Tu vas amener la joie dans ta famille. Because in you. En toi, there's a prophecy. Y a une prophétie. I declare. Say I believe. Dis je crois. Repeat after me. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. In Jesus' name. In Jesus' name. Can we clap for the Lord? The glory of the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen.